Moja kwa moja, hii ni matangazo ya MTV, tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Son honorable Mubonzi Bertin, je suis le président de la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. J'ai tenu absolument à rencontrer le gouverneur militaire par rapport à la situation qui prévaut dans la région. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une guerre qui nous a imposée par le Rwanda. Donc c'était important que nous puissions échanger sur certaines questions et voir la possibilité pour la commission défense et sécurité de continuer à jouer le rôle que nous jouons, d'appuyer notre armée, mais aussi de nous rassurer que les choses sur terrain se passent telles que le souhaite le commandant suprême. On a échangé sur certaines difficultés qu'il rencontre pour permettre à ce que les choses se passent comme nous le souhaitons. Et il y a d'autres que nous avons résolus et d'autres que je vais résoudre personnellement avec mon implication et l'implication du président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions faire bousculer les choses et aller de l'avant. D'abord, je présente mes condoléances le plus attristé à toutes ces familles qui sont éprouvées à cause de cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Mais je voudrais aussi et surtout demander à toute la population de se mobiliser. Le pays fait face à un complot incommensurable. Notre armée, c'est la seule que nous avons, a besoin que nous puissions la soutenir. Et vous pouvez vous rassurer que le commandant suprême, non seulement il a la volonté de mettre fin à cette guerre, mais il a su mobiliser toutes les institutions autour de lui. Cela veut dire le gouvernement et le Parlement. Et nous sommes tous en train de travailler d'arrache-pied pour que les solutions soient trouvées. Nous sommes en vacances parlementaires, mais nous n'avons pas eu de vacances, tout simplement parce que la situation ne nous le permet pas. Mais vous pouvez être rassurés que nous sommes en train de travailler de manière à permettre à notre armée de monter en puissance et d'être capable à elle seule de sécuriser la population